Salut à tous, bienvenue sur Culture Gaming. Ça y est, c'est l'heure, on y est les amis. The Last of Us Partie 2, ça y est, il vient d'arriver sur ma PlayStation 4. Alors vous vous rappelez, on a fait le début du premier il y a quelques semaines en live. Et là, des années après le premier opus, bah ça y est, enfin, on peut poser les mains sur ce deuxième épisode tant attendu, peut-être le jeu le plus attendu de cette fin de génération console actuelle. Alors on va lancer ça, histoire. Voir la suite des aventures d'Ellie et de Joël. Nouvelle partie. Alors, on a très facile, facile, normal, difficile, survivant. Alors, j'ai pris une décision. J'ai envie de profiter un maximum de l'histoire, de l'environnement, de l'atmosphère, de tout ce qui entoure le jeu. Et j'ai pas envie de me prendre la tête avec une difficulté trop féroce. Alors, vous pouvez me jeter des cailloux, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais je m'en fous. Je vais me mettre en facile. Je vais me mettre en facile parce que vraiment, je veux profiter de l'ambiance du jeu. Et j'ai pas envie de me prendre la tête avec les combats, les choses comme ça. Parce que The Last of Us, ça se regarde, ça s'écoute, ça se joue évidemment, mais surtout ça se profite en fait. Allez, on est parti, démarrer, oui, allez, on y va. Alors le jeu a eu des notes incroyables dans la presse, apparemment cette suite n'est pas décevante du tout, bien au contraire. Donc j'ai hâte d'essayer tout ça. J'espère qu'il y a un petit résumé par contre de la première partie, enfin du premier épisode, parce que ça fait un bout de temps que je l'ai fini. Hein. Ça fait très longtemps. Allez, on est parti. Une guitare avec le symbole qui semble être de mémoire celui des lucioles. J'étais censé la conduire jusqu'aux lucioles et m'en aller. C'est le résumé, je crois. On a traversé la moitié du pays ensemble. Ah, attendez. Je vais juste aller dans les options, parce que je sais pas si le son est bon. Donc du coup, je vais activer les sous-titres. Oui. Dialogue de l'histoire. Hop, ok. Donc là, c'est le résumé du premier épisode. On est reparti. Elle voulait donner un sens à son immunité. Peut-être que j'ai fini par croire à cette histoire d'Hermède. Peut-être que je faisais ça pour son bien. Et puis on est arrivé. On a trouvé les lucioles. Grâce à elles, ils allaient enfin pouvoir faire ce remède. Incroyable cette histoire. Cette fin était magistrale. Le seul problème, c'est que ça l'aurait tué. Le dilemme. Le gros dilemme. Qu'est-ce que vous faites là? Vous ne pouvez pas la prendre. C'est notre avenir qui se joue ici. Pensez à toutes ces vies qu'on pourra sauver. Putain de merde, Joël. Qu'est-ce que t'as foutu? Eh oui, sacrifier une vie pour en sauver des millions, voire des milliards. Je l'ai sauvé. Oui. Bloquez
Quel merdier. Ellie est au courant. Je lui ai dit qu'ils avaient fait des tests. Je lui ai dit que son immunité servait à rien. Et elle y a cru d'après toi ? Elle a jamais dit le contraire. On devrait y retourner. Oui. Cette histoire, c'était tragique. Enfin, c'était. Ouais, comme j'ai dit, hein, le choix. Mais quel choix? Sauver une vie, sacrifier une vie, ou en sauver, ou en sacrifier des millions et des milliards, c'est. Oh, cette musique. Ah, bah, ça y est, je joue. Cette musique. Vous voyez pourquoi j'ai pas envie de pousser la difficulté, en fait? C'est juste pour profiter de ça. C'est beau, c'est très très beau. C'est pas de la next-gen, on n'est pas encore sur PS5, mais enfin, regardez ça. Là, c'est la maîtrise totale de la PlayStation 4 après plusieurs années de service. Là, on a un gros développeur avec un budget AAA qui nous montre ce qu'est la maîtrise d'une console. C'est magnifique. Oh là 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 là, la ville en contrebas, enfin la ville, le camp plutôt. Avec cette guitare acoustique. Et puis les vestiges de cette vie passée. Passer dans la rivière, oh là 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 là. Alors non seulement c'est beau, mais en plus le level design, hein, l'architecture des décors, enfin. Fait, on a presque envie de poser la manette et de regarder quelqu'un jouer, c'est dingue. Oh là là, regardez ça! Oh là là. Fabuleux, mais vraiment. Alors du coup, je sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Forcément, le début va être un peu longué, mais tant pis. Tant pis, c'est l'immersion avant tout. Allez. On arrive à la porte du camp.
l'occupe. Vas-y. T'es sûr? Ouais. D'accord. L'éternel sac à dos de Joël qui ne le quitte pas de toute l'aventure du premier, du coup. Ah. Je crois bien que j'aurais fait exactement pareil. Nous y voilà. J'emporterai ton secret dans la tombe. À plus tard, Tommy. Ah, de mémoire, Tommy, c'est son frère, hein, je crois. Je sais plus, hein, mes souvenirs sont lointains. Enfin non, du coup, j'ai refait le premier il y a pas longtemps. Enfin, le début du premier il y a pas longtemps en live. C'est ça, je crois que c'est son frère. Hein, c'est le frère à Joël. Neil Druckmann. Alors lui, s'est forgé un nom dans le jeu vidéo, du coup, hein, avec ses deux épisodes de Last of Us. Allez. SLI. C'est pas les mains de Joël, en tout cas. Oui. Elle a grandi, la piotte. Hey oh. Ellie. Une de ces trouilles. J'ai frappé à la porte, mais... Salut. Salut. Tu voulais quelque chose? Rien de spécial. Tu sais... Tout le monde est très impressionné par toi. Par la façon... dont tu sais... te rendre utile. Cool. Ouais. Avec Tommy, on s'est baladé l'autre jour et... Il va lui avouer ? Non. Il m'a raconté une blague et j'ai pensé à toi. C'est... Ah, j'ai dû oublier. C'était une histoire d'horloge. Quelle est... Vous sentez un malaise ou pas ? Il est super tard et... Il y a clairement un malaise. Ouais, c'est vrai, je sais. Je vais pas te déranger longtemps, c'est juste que... Je voudrais te montrer un truc. Donne-moi juste une seconde. Ah, il y a quand même un malaise entre les deux. Qu'est-ce que c'est? Une guitare. Par ici, les gens appellent ça une guitare. Sans deck. Tu peux jouer quelque chose? Ok. Super. Tu me promets que tu vas pas te moquer de moi. C'est promis. Je te le jure. Je compte sur toi. Utiliser elle pour choisir un accord. Ok. Ah, c'est moi qui joue. Ah, génial, c'est pas grand chose, hein. Ils sont sérieux. Trying sometimes you'll succeed.
to make this pain of me. All my stolen missing parts. Tu parles de sa fille, hein? I have no need for anymore. Cause I believe. And I believe. Cause I can see. Our future days, days of you and me. Wow. Ouais, je confirme. Je prends ça comme un compliment. Elle est pour toi. Oh non, 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 je saurais même pas je comment la tenir. Que je t'apprendrai à en jouer. Je dirais d'une première leçon demain soir. Vendu. Okay. Ok. Est-ce que... la blague t'est revenue? La glace a peu été brisée là du coup. Tu sais quel est le comble pour une horloge? Elle y fait péter. C'est de pouvoir tuer le temps. C'est vraiment débile. Ouais. Les doublages sont vraiment excellents. Allez, dors bien. Allez. Qui c'est? Quatre ans plus tard. Oh merde. Elle a encore grandi, forcément. Et toujours aussi poétique dans ses dialogues. Non. Bonjour. Désolé, j'ai dormi trop longtemps. Je m'habille et j'arrive dans une minute. Il paraît que t'as passé une drôle de soirée. Elle m'a embrassée. Tu connais Dina, tu sais comment elle est. Ça voulait rien dire du tout. Je parlais de ton engueulade avec Seth. Attends. Oh, oh, oh. T'as embrassé Dina? Je croyais. On est séparés depuis une semaine et tu bécotes mon ex? En plus! Ah bah oui, non mais allez-y. Elle voulait peut-être juste te rendre jaloux. Moi, je voulais pas. Tu m'étonnes. Tu vois pas que je te fais marcher. Je m'en fous, ça va. Va t'habiller. Oh, t'es bien con. Eh hey, c'était quand même pas très cool. Dépêche-toi, on est en retard. Ça pue pas. Ah bah ça va. J'ai pris ma dernière douche il y a 8 semaines, ça pue pas trop encore. Je suis fatiguée. Bon, où dois-je aller? Couteau, non? Ok. Le flingue. Se laver les dents, faire un petit pipi, non?
Bon. Ah, maintenant prends le couteau. D'accord. Je vais aller réveiller. Ça craint. Arrête. J'allais justement me lever. Si, je te jure. T'as tout ce qu'il faut ? Ouais. Allez, on est parti. Je te préviens, tout le monde parle de toi ce matin. Donc, vu que je suis très observateur, j'ai remarqué qu'on était certainement en hiver. Ok, petit résumé. T'as embrassé Dinah. C'est elle qui m'a embrassé. Ce qui a conduit Seth à te traiter d'un truc pas sympa. Ouais. Ensuite, Joël l'a frappé. Il l'a juste poussé. Et puis tu t'es énervé contre Joël. J'ai pas compris ça. C'était une soirée bizarre, Jesse. Plutôt mouvementé. Désolé de pas être resté. Faites attention à vous. Comme toujours. Donc voyez les cerfs. C'est sympa, on voit un peu le camp de survie. Ça fait un peu penser aux dernières saisons de The Walking Dead, du coup. Elle est où ? Au resto. C'est à propos de Seth ? Aucune idée. Dis-lui que tu m'as pas vu. Tu rêves ? Mais c'est vraiment pas cool. Désolé. Eh, donc... Tu m'en veux pas, hein ? Toi ? Non, pas du tout. Dinah et moi, c'est du passé. Je sais, mais je veux pas que tu penses. Ellie, tout va bien. C'est promis. Merci. En tout cas, ils ont l'air de mieux se démerder que dans Walking Dead. Bon, ils ont encore de l'essence, apparemment, parce qu'il y a encore des véhicules à moteur, hein, comme le tracteur. Salut! Moi j'aime les chiens, je te fais un câlin. Salut mon vieux. Ça fait du bien. Salut Jesse. Oh salut. D'un petit déj? Non. Où est Maria? Derrière. Il y a un peu de monde. Ellie, viens, je t'attendais. Seth voudrait te dire quelque chose. J'ai aucune envie de discuter avec un fanatique. Fais-le pour moi. Seth, Seth, viens là. Salut. Écoute, hier soir, j'avais un peu bu. Ouais. J'essaie juste de m'excuser. Maria m'a dit que tu partais en patrouille avec Dinah. J'ai préparé des sandwichs. Ben, il est gentil, le monsieur. Ok. À la viande. Merci, Seth. T'as, elle est froide, hein. C'est ouf. Ouais. Bon. Le mec, il a la queue entre les jambes pour s'excuser et... Ouais. Je te remercie. C'est quoi, ça ? Sandwich de fanatique. Ça sent bon. Prends-les. T'es sûr ? Vas-y, je vous raccompagne. Ok.
Oh, l'écureuil! Vous avez vu là-bas? Ces deux-là sont partis depuis bien trop longtemps. On va prendre la relève de Tommy et Joël à l'extérieur. On va être au poste de Gaiman West un peu plus tard dans la journée. Et fais attention. On nous signale beaucoup trop d'infectés dernièrement. Ok. J'avais prévu de vérifier la route de la rivière. Il faudra que quelqu'un d'autre s'en occupe. Ellie, tu connais la route de la rivière? Non, pas vraiment. Dina la connaît bien. Elles pourront y aller ensemble. C'est réglé alors. Ellie, je peux te parler une seconde? Ça va? Je sais pas ce qui se passe entre toi et Joël. Maria, il tient énormément à toi. Je suis sûre qu'il voulait pas te faire de mal. Tout va bien. Sûre? Ouais. Ok. Ok. Excuse-moi. Sois prudent. D'accord. Hé, hey, Dina! C'est l'heure! Deux secondes, j'arrive! Tu peux dire à ta copine d'aller aux écuries, s'il te plaît? Dina? Je peux te parler? Hé, hey, les gars! Je fais une pause. Oh non! Ça va durer longtemps? Salut, salut. Je voulais juste m'excuser d'être partie hier soir. Oh non, c'est pas grave, je comprends très bien. Et je suis vraiment désolée. Pourquoi? Parce que c'est moi qui ai commencé. J'aurais jamais dû t'embrasser devant tous ces gens et je... T'étais bourrée, c'est pas grave. Ouais, mais quand même, je veux pas que tu penses... Non, je me suis pas fait d'idée, t'inquiète. Tu sais ce que j'aime chez toi? Tu me laisses toujours finir mes phrases. Ok, on devrait se mettre en route. Ouais. Ah, ça va pas, non? Je joue pas avec vous, moi! Quoi, t'as la trouille? Je déteste vraiment ce gamin. Lui met la misère. J'en étais sûr. Ouais, bonne idée. Et ça va servir de didacticiel, de tutoriel, sur certains. Oh merde! Mettez-vous à couvert, vite! Ah, je t'ai eu. On n'est pas encore foutus, bande de nazes! Je vais te faire frapper une minute. Ok. Allez, viens, Minus. Tiens! Va te planquer! Donc ça sert bien de didacticiel, c'est rigolo. Et il était où lui? Il est là. Dans ta face! Boum! On va vous battre! Aïe! Je sais où t'habites, Alex! Je te vois! T'as de la neige dans les cheveux! Si t'étais pas un gosse, j'aurais bombardé en pleine face! Ah, ça jouait sournois! Ah merde! Tu mourras jamais! Aïe! Tu t'as appris ça? Je suis pas très fort aux boules de neige, hein! Ah, c'est pas juste! Mangez ça, les crevettes! Hé! Hey, hey. Alors, ça fait quoi? Non! Joël! Vous allez pas vous en tirer! Stop! Lâchez-la, bande de monstres! Ellie! Allez, pas tout ça, mais on a du travail. Du vent. Oh. Je l'ai bien mérité, non? Ouais. On y va. Allez.
Jesse veut qu'on prenne la route de la rivière. Il va relever Joël et Tommy. Oh, c'est cool qu'il nous a envoyés ensemble. Tu vas aimer la balade. Salut les filles. Bonjour. Salut. Je m'en occupe. Merci. Je regarde, c'est vraiment beau, c'est vraiment vraiment beau. Ça c'est un bon cheval. Regarde qui est là. Merci. Allez, c'est bien. Paillette. Ah, regardez qui a décidé de nous rejoindre. Ouais. Un pour toi. Et un pour toi. Ouvrez les portes. Bon, écoutez-moi. On y est. Vous connaissez le topo. Vous suivez l'itinéraire. Prenez des notes et vous tuez les infectés que vous croisez. Si vous tombez sur plus gros que vous, vous revenez. Pas de conneries, ok? On va essayer. D'accord. Allez-y. Alors c'est sans doute le let's play dans lequel je parle le moins. C'est ouf hein, parce que je veux tellement profiter et vous laisser profiter aussi du coup sans parler au-dessus des personnages que du coup je parle très peu. C'est qui eux ? C'est Joël debout là-haut, contre la fenêtre. C'est peut-être ça. Hein. Non. Non, je crois pas. Non, non, ce n'est pas Joël. Qui sont ces personnages ? Salut. Salut. Allez, carré la gonzesse, hein ? De quoi tu rêvais ? J'ai dit quelque chose. Non, mais t'as... Tu faisais grincer tes dents. Oh. Où t'es allé ? Ton matos. Faut que tu vois ça. Quoi ? Je vais te montrer. Viens. C'est par là. Ok, donc on dirige cette femme. Je ne sais pas du tout qui sont ces personnages. Que tu veux pas faire ça quand il fera jour, avec quelques degrés de plus? Non, ça peut pas attendre. Tu veux pas me dire ce que c'est, au moins? Tu dois voir ça par toi. Alors, où est-ce que tu nous emmènes, monsieur? Ça, tout seul. J'arrive pas à dormir. Toi non plus?
Si on va vers le sud, tout c'est joli. Et si on continuait, on pourrait filer jusqu'au Mexique. Je l'ai bien pensé, figure-toi. On pourrait aller voir la ville de Manny. Ouais. Quelque chose me dit que c'est pas aussi joli qu'il le dit. Ouais, t'as sûrement raison. T'as fait tout ce chemin dans le noir ? Oui. Allez, viens. Pourquoi tes traces vont là-bas de tout à l'heure et là tu montes ? D'accord, les traces font le tour. On sera crevé avant même d'entamer la journée. Arrête, c'est pas si loin. Dis, Mel, ça va ? Elle avait pas l'air en forme ces derniers jours. Et elle va bien. Je te trouve bizarre, c'est limite flippant. Je suis pas bizarre. Un petit peu. Oh, c'est magnifique, regardez la cascade. Ah bah, bien joué. Avec Mel, c'est ça ? Quoi ? Non. C'est vrai. T'inquiète, j'ai eu ma dose. Maintenez un L1 plus X pour sauter en sprintant, ok. T'en es capable alors moi aussi. Wow. Et ouais, on n'est pas tous aussi gras sur toi. Pas ça. Ça va pas le faire. Ça va aller. C'est trop haut. Qu'est-ce que c'est que ce piège ? Oh la vache ! Nom de Dieu ! Ah bah oui ! Regarde-moi. Abby, ne regarde pas en bas. Ah, t'es un peu ouf, toi. Qu'est-ce qu'il a été trouvé là-bas en pleine nuit ? En pleine nuit, pardon. Dis-toi que c'est l'occasion de vaincre tes peurs. Tu sais où tu peux te les carrer, mes peurs ? Abby... Arrête de me draguer. Où est-ce que tu m'emmènes, monsieur ? T'es très bizarre. Ah ! On y est ? On est arrivé. Bah c'est le camp en fait d'Eli et de Joël. T'en as parlé à quelqu'un ? Je voulais que tu sois la première. D'accord, donc ils font pas partie du même camp. J'ai vu des gardes armés patrouiller entre la ville et l'avant-poste, par là-bas. Il y a d'autres postes de garde sur le chemin. Ils ont de l'électricité, des flingues. Ça fait beaucoup de monde. On va se débrouiller. Ok. On va se débrouiller pour. En admettant qu'il soit là, on fait comment pour l'atteindre ? Qu'il soit là, qu'est-ce qu'il recherche ? On n'a qu'à attraper un des gardes pour lui soutirer des informations. Ensuite, il faudra trouver un moyen de lui tendre un piège. Ouais, c'est ça. Ah, mais c'est sûrement des lucioles que je suis con. Des renseignements. C'est les lucioles, ils recherchent mon Joël par rapport à ce qui s'est passé dans le 1 et ce qu'on a vu du coup au début de cette vidéo. Les lucioles qui voulaient du coup fabriquer un vaccin avec le corps d'Eli. Qu'est-ce qui t'arrive, Owen ? Mais elle est enceinte. Oh. C'est pas seulement ça. Je suis censée te féliciter. Quand les autres verront ça, ils vont vouloir faire demi-tour. On pourrait les convaincre, pas vrai ? Je pense que c'est ça. Je pense que c'est des lucioles qui recherchent Joël. Je peux me tromper complètement. Je ne pouvais pas compter sur toi. Abby, je veux la même chose que toi. Mais là, c'est du suicide. Hey. Arrête. On se voit à ton retour.
Par contre, tout seul, est-ce que je vais retrouver mon chemin? Par là. Aïe, aïe, aïe. Je vais me perdre. Je sais pas du tout où je dois aller. Pas par là. Ah oui, ok. Ah, ça passe pas. Dame ? Ça ne passe pas. Mais oui, c'est ce que j'ai fait. Hein. Allez. Ah, ok. C'est jalouse, madame, je crois. Merde. Waouh. Oui, non. Aucune chance. Un peu des cadavres partout. Ah ouais! Ah ouais! C'est marrant de oh putain, c'est marrant de diriger des personnages sans connaître leurs intentions en fait. Oh là là. Ah. Encore des cadavres. Oh. Infecté. Allez. On avait presque oublié quasiment qu'il y avait des infectés. Elle a un... corps à corps. C'est toujours aussi violent. Hein. C'est toujours aussi violent. Ouf. Oh là là. Ah là là! Ouh là là, je suis déjà dans le caca. Ouf. Et j'ai déjà plus de munitions. Ouais, c'est bien de cette mire facile, hein. Putain, c'est quoi cet endroit là? De Dieu. Ah, je peux pas ici. On va courir, hein. Allez. Ouf. Allez, on va fouiller. Merde, mon épaule. Oui, oui, oui. Équiper kit médical. Maintenir pour soigner. Ok. Ouais, ce serait bien de trouver des munitions aussi. Par contre, madame, si t'es méchante, moi ça me dérange pas que tu meurs en fait. Mais j'aimerais savoir. Ah ah. Ok, on recharge avec R2.
Par la cheminée. Non. alors, trouvons une sortie. Très mauvaise idée, Abby. Oh. Elle est encore dehors, Lout. On va encore continuer un petit peu, on a plus de 45 minutes de vidéo. On va progresser un petit peu. Ah, je suis très étonné par le début, je pensais pas vraiment. Je pensais pas du tout jouer ces okay. personnages. Il peut pas être loin. Barbecue! Ok. Où doit-on aller? On vient de là. Pas cassé ça? Non? Là? Ah ouais! On peut se faufiler là-dedans. D'accord. Ouais, donc ça c'est comme dans le premier. Restez en position accroupie pour vous approcher discrètement de vos ennemis. Appuyez sur Y pour les saisir. Sur Y. Non, c'est pas la même console. Sur triangle. Essayez de pass fail. Ouais, donc ça c'est comme dans le premier aussi. Elle a les munitions, classe. On recharge. Peut-être fouiller ici quand même. Pas l'air d'avoir grand chose. Non, y a rien. Cette pièce-là, on n'a pas vérifié. Il n'y a rien. Une autre chambre. Ah, eh ben on a bien fait. Voilà, on est un peu mieux. Le fasse sans tirer de balle. Arriver par derrière ici. Allez. Voilà, parfait. Il est où lui? Ah! Il est parti où? Ok. Oula, c'était juste. C'était très très juste. Ok, est-ce que c'est le dernier? Encore des munitions. On va fouiller un petit peu ici. Plein, c'est quoi? Ah oui, c'est pour le... Oui. C'est l'espèce de petit gâteau là qu'on ramasse pour se refaire un tout petit peu de santé, comme dans le premier. Allez, on va sortir de là. Putain, je sais pas où je suis.
Bah moi non plus, je sais pas où t'es. On peut passer au-dessus là? Oui. Merde. Bah oui. Avec le bruit du vent et les... Oh là là. Avec le bruit du vent et les gémissements désinfectés, on sait jamais d'où ça vient exactement. Putain, il y en a beaucoup là. Enfin, il y en a beaucoup, j'en vois déjà deux. Ils ont l'air un peu mal en point avec le froid, je sais pas ce que vous en pensez. Parce que là, clairement, il aurait dû me voir. Bon, c'est bien, ça m'arrange, hein. Ça me fait économiser les munitions. Ok, il y en a un là, un à gauche. Oh là là. Putain. Est-ce que les autres m'ont vu ? Ils sont passés où ? Ok. Ah. Allez. Allez, voilà. Il restera encore un et on sera pas mal. Oui, tu es là. Oh, ça devrait le faire. Ouf. Bon, on n'a pas tiré une seule balle. Ça, c'est plutôt bien. Oui. Faut que je passe en dessous ou est-ce qu'il faut que je passe là? J'en sais rien du tout. Bon, je pense que ça mène au même endroit. Oui, oui, oui. T'as la tempête. Ah, les traces. Et on va se retrouver de nouveau avec Ellie, je suppose. Mais vous savez quoi, je crois qu'on va s'arrêter là. Et du coup, moi, je vais tout de suite tourner une deuxième partie pour pas que la vidéo soit trop longue. Enfin, là, on est déjà à un peu moins d'une heure. On a 55 minutes quasiment de vidéo. Du coup, on va couper ici et on va reprendre une deuxième partie pour la suite. Donc du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc c'est The Last of Us 2, hein, je l'attends énormément, vous le savez. Je vous l'ai dit mille fois. Pour l'instant, c'est très très joli. Bon, la mise en place est un peu longue, mais dans le premier, c'était le cas aussi. Si vous vous rappelez un petit peu du live qu'on a fait il y a quelques semaines, en tout cas, j'adore. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, dont tous les liens sont en description. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour la deuxième partie de The Last of Us Partie 2. Amusez-vous bien, des gros bisous, salut, ciao ciao!